Donc avec nous, Nicolas Guérabi, donc joueur du FC Bar. Donc, victoire 5-2, c'était un match ouvert face à Lure et vous êtes fait un petit peu peur en fin de première mi-temps. Finalement, ça, en deuxième, c'est plutôt bien passé pour vous. C'est vrai que le début de match a été super pour nous, qu'on ait eu les occasions. On aurait même pu tuer le match largement avant. Après, 2-3 errements défensifs ont fait que juste avant la mi-temps, on se prend ces deux buts qui nous font mal, mais on a su se remobiliser. On avait toujours l'avantage et on a su tenir tout le long du match. Puis après, c'est vrai qu'en contre-attaque, en deuxième mi-temps, on a su prendre le devant et puis concrétiser cette victoire qui fait du bien. C'est important de réagir après la défaite à Héricourt hein, aujourd'hui. C'est vrai qu'à Héricourt, donc on a perdu 3-1, c'est le début de la saison, face à un promu, ça nous a fait un peu de mal. On a été piqué dans notre orgueil et on a su se ressaisir malgré notre élimination en Coupe de France la semaine dernière. Bon, le principal, c'est le championnat puis d'assurer le maintien le plus rapidement possible. Merci, bonne saison. Donc, avec nous Clément Brua, donc le coach du FC Bar, match ouvert, 5 buts, donc, quelques errances défensives en fin de première mi-temps et je pense que la réaction a été importante, vous avez gagné ce match avec l'envie et la foule. On voulait déjà avoir un match référence parce qu'entre la Coupe et le championnat, on n'a pas vraiment encore lancé notre saison. Donc là, je pense qu'au niveau de la qualité du jeu et puis bon, bah, au niveau comptable, je pense qu'on a lancé la saison. Maintenant, oui, comme je dis, c'est vrai que bon, les erreurs défensives, on les a payées cash. On n'a pas eu beaucoup de réussite depuis ce début de saison. Et là, bah, à ce niveau-là, les moindres erreurs, on les paye cash. Quoi. Ça s'est encore vérifié aujourd'hui.
Donc, vous avez perdu la semaine dernière, vous gagnez aujourd'hui. À l'inverse, c'est ce qui arrive. Donc, beaucoup d'équipes dans ce début de saison, il doit y avoir 8 ou 9 équipes qui ont déjà gagné un match cette saison. Ça prouve que ça va être un groupe encore très homogène et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer en fait cette saison. C'est ce qu'on qui a va dit, monter, qui va descendre. En fait, on a c'est ce que j'avais dit aux joueurs au début de saison. Vu le groupe, c'est vrai que je pense que ça va être un championnat très ouvert. Maintenant, chacun va essayer de tirer son épingle du jeu. Nous, voilà, il fallait absolument qu'on gagne aujourd'hui pour recoller déjà au classement. Si on perdait, on était seul dernier. Donc voilà, pour bien préparer notre match de coupe la semaine prochaine, c'est de bon augure pour la suite. Quoi. Okay. Merci Clément et bonne saison. Le coach a des questions à poser, les gars. Vas-y. Allez, les gars, est-ce qu'on a été les hommes aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'on va faire une belle saison? Oui. Est-ce qu'on va gagner la semaine prochaine? Oui. Allez, Paris Pipi. Oui.